Il est plus tard qu'à 9-9, donc on prend le temps de déjeuner. Ouais. Le vent, il est bon sud-ouest, 20-25 nœuds, ça va voiler. Oh, rock and roll, la mer est formée. On suit la marée. Ouais, fait là, tu manges comme il faut. On va aller chercher d'autres trucs à faire grignoter, puis on va les voir vers l'heure. Passer une voix pour accoter ta tête sur la mienne. Peut-être que je glisserai ma main dans la tienne. Mali! Sarah est partie où? Ben, on va aller chercher le homard. Ah ouais, viens-t'en, on se grouille, on va y aller tout de suite. Elle va être contente, elle va triper. Ah ouais, viens-t'en, go! Je suis content de te voir. Oui. Fait que je m'en viens me chercher mon homard. Comme ça, tu m'as mis des beaux homards de côté. Ah oui, c'est des plus gros. Hey, tu sais comment je les aime, tes homards. Hein? Moi, je m'en amener ça à une de mes chums. Elle s'appelle Sarah. Elle est avec moi sur le bateau. Elle va tellement capoter, mais qu'elle voit tes homards. Elle est habituée de manger des petits homards du Maine. Imagine-toi, mais qu'elle voit ces monstres préhistoriques-là, tu vois. Hey, île d'Anticosti. Île d'Anticosti, ceux-là? Oui. Wow, je les aime, je les adore avant même de pouvoir les manger. Fais-moi ça. Tu me l'enlèves, tu. Oui. On va mettre celle-là ici. Hey, regarde-moi ça. Hey, Jules, merci beaucoup. Puis on se voit l'année prochaine. Ah, oh, c'est gentil. Faites attention à vous autres, OK? Passez une belle hiver. Oui. OK, on y va. Okay. Hey, Sarah, on va être contente. Oh, balai! Une minute. Bon, alors ce matin, on arrive de faire la traversée de Tadoussac à Rimouski. Et là, pour une fois, j'ai réussi à me lever avant le capitaine. J'ai mis mon cadran vraiment pas fort. Et là, je suis partie pour y faire une surprise pour le souper de ce soir. Bonjour. Bonjour, vous devez être Paul. Oui. Un plaisir d'être là. Là, je suis partie, je me suis levée très tôt ce matin pour faire une surprise au capitaine Thomas qui est à bord du flâneur en ce moment. D'accord. Et on m'a dit que vous aviez les meilleurs gâteaux au Québec. Ben là, c'est plutôt à la galaxie. Les meilleurs gâteaux de la galaxie. Ben je crois. Bon, mais ben, on rencontre vraiment les meilleurs commerçants sur ce tournage-là. Oui, c'est oui, merveilleux. Oui. La fausse modestie, c'est pas bien. Donc, on me dit aussi que c'était un gâteau COVID. C'est quoi ça? Oui, mais on lui a pas donné le nom du COVID parce que c'est un nom qui va passer, j'espère, qu'on reverra pas. Donc, on a fait un gâteau qui est intemporel, donc, mais on a pris les trois couleurs. Alors, le rouge, c'est la framboise. Le vert, c'est la pistache. Puis le jaune, c'est le fruit de la passion. Okay. Puis pour tromper tout le monde, on a mis du sirop d'érable, on a mis des nougatines, puis on a mis un macaron. Il est tôt encore, mais j'ai déjà faim, j'ai déjà hâte de goûter à ce gâteau-là. Est-ce qu'on peut le voir? Oui, je vais vous le montrer. Génial. Elle a l'air vraiment délicieux.
sur ce, je dois y aller parce que le capitaine, il m'attend d'accord. pour larguer les amarres. Alors, je vous emballe ça. Parfait. Salut, merci beaucoup. Oui, qu'est-ce que vous voulez? On laisse bon vent. Hey! Hey! T'étais où, toi? Hey! T'étais où? T'étais passé une, où? Pour une fois que je réussis à me lever avant toi, j'ai fait une surprise. Bon, j'ai okay. assez hâte de prendre hey! Ça. Hey! Bonjour. Salut. Capitaine, je te présente Thomas Johnson. Enfin. Thomas, je te présente Capitaine Écoute, j'ose Thomas. Pas te donner la main, je viens d'arriver, je vais te chercher Zomar. Ça va tellement être bon. Je vais te chercher Zomar. Je vais aller placer la commande, je vais me laver les mains, je reviens tout de suite. Je suis enchanté de te connaître. Yes! Bienvenue sur le Flambeur. Je me sens un peu déprimé. Alors, pour me changer les idées, je prends ma guitare dans mes bras et je m'en vais sonner chez toi. Et je chante pour ta mère parce qu'elle aime chanter. Je chante pour ta mère, sans elle, qu'est-ce qu'on ferait? Je chante pour ta mère, comme si c'était la mienne. Je chante pour ta mère, elle devient napolitaine. Je chante pour ta mère, c'est pour la remercier. Je chante pour ta mère, pour son âme et sa bonté. Je chante pour ta mère, c'est comme ça que tout commence. Je chante pour ta mère, et tout le monde danse. Et pour ta grand-mère, j'accompagne ta mère, lui porter des fleurs au cimetière. Certaines journées, rien ne va plus. Mais avant de m'avouer vaincu, je prends ma guitare dans mes bras et je m'en vais sonner chez toi. Je chante pour ta mère parce qu'elle aime danser. Je chante pour ta mère parce qu'elle ne dort jamais. Je chante pour ta mère parce qu'elle sait faire la fête. Je chante pour ta mère parce que rien ne l'arrête. Je chante pour ta mère et tout le monde est gai. Je chante pour ta mère partout dans le quartier. Je chante pour ta mère, c'est comme ça que tout commence. Je chante pour ta mère et c'est tous les jours dimanche. Et pour ton arrière-grand-mère, j'accompagne ta mère. Grand-maman lui porter des fleurs au cimetière. Si tu te sens un peu déprimé, voilà pour te changer les idées. Je prends ma guitare dans mes bras et on s'en va sonner chez toi. Et on chante pour ta mère parce qu'elle aime chanter. On chante pour ta mère, sans elle qu'est-ce qu'on ferait? Je chante pour ta mère comme si c'était la mienne. On chante pour ta mère, elle devient italienne. On chante pour ta mère, c'est pour la remercier. On chante pour ta mère, pour son âme et sa beauté. On chante pour ta mère, et c'est comme ça que tout commence. On chante pour ta mère, et tout le monde danse. Et pour ton arrière-arrière-grand-mère, j'accompagne ta mère, lui porter des fleurs au cimetière. Et pour ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère, j'accompagne ta mère, lui porter des fleurs au cimetière. Ouais, ouais. Vraiment, 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 ouh, merci. Hey, merci, Thomas. Hey, merci à toi. Hey, écoute, tu réalises, on est en plein milieu du Saint-Laurent.
tu me fais de la musique, t'as froid. Écoute, je remercie Sarah, merci de me faire vivre ça. Ça fait quelques émissions qu'on tourne, puis on est tellement chanceux, je trouve, d'avoir le privilège d'écouter les artistes en plein milieu du Saint-Laurent. On est dans le Bic. C'est capoté. OK, on est où, là? On est ici, là, et on s'en va là. Dans une baie, dans le creux des montagnes, ils sont là. Et c'est rempli de phoques. Ah ouais? Ah ouais, c'est plein, plein, des marsouins, des phoques dans les bois. C'est magique, vraiment. De 6 à 8, j'étais là au Brésil, à São Paulo, puis ensuite à Rio. Mon capitaine, il me dit qu'au Brésil, il y a de la musique jour et nuit, partout, dans toutes les rues. Oui, oui. Ça doit être le pays le plus musical que je connaisse. Ouais, ouais. Tout le monde fait de la musique, c'est ça, du matin au soir. Là. En fait, j'ai pris une année sabbatique après ce qu'on appelle le bac en France. Là. Ouais. Et puis, j'ai découvert Caetano Veloso. La veille de mon départ, il y a un ami qui est arrivé avec 30 vinyles. Et j'ai écouté les 30 vinyles à la suite, en faisant une nuit blanche avant mon départ, en mettant tout sur des cassettes. Si j'ai une idole, en plus des Beatles, c'est Caetano Veloso. T'as appris la guitare par toi-même aussi? Ouais, ma sœur jouait un peu de guitare. Moi, je l'accompagnais à la flûte. Et quand elle est partie faire ses études à Lyon, je suis resté tout seul avec ma flûte, puis la flûte tout seul. C'est un peu drabe. Wow. Alors, je me suis mis à la guitare. Et puis, j'ai commencé à écrire des chansons. Fait que là, après ça, c'est en au Québec. T'étais supposé venir pour un certain temps, un court laps de temps. Ah ouais, comme beaucoup de monde. Et finalement, c'est-tu le Québec qui t'a adopté ou t'as adopté le Québec? Bon, je suis tombé amoureux d'une Québécoise. Ah! Je savais, c'est l'amour, je sais. L'amour est partout, mon ami. Oui. On distribue de l'amour au Québec. Ouais. Bah oui. C'est ça. Puis, il n'y a pas de meilleure raison pour émigrer. Quelque part que l'amour, je veux dire. Moi, mes parents sont partis à cause des militaires. Moi, je suis arrivé ici à cause de l'amour. C'est bien. Ouais. Par contre, une fois que j'étais ici, il y avait plein de places où on pouvait aller jouer de la musique. Ouais. Moi, en France, j'habitais dans une petite ville, tu sais. J'arrive à Montréal, il y a plein de bars, plein d'endroits où on peut aller chanter, jouer, etc. Donc, je me suis fait engager tout de suite, puis ça a tout de suite super bien marché. Puis je me sentais chez moi. Ouais. Et ce qui est assez bizarre, parce que j'ai passé 20 ans en France... Et ça m'a jamais fait ça en France. Wow. Jamais. Bon. Je veux pas vous interrompre. Moi, je vais aller préparer ce que la mère nous a donné. Alors, je vais aller préparer au bar, puis je reviens dans pas long. Okay? C'est-tu cool? Merci, capitaine. Hey, ça sera vraiment pas long, les amis. Ah ouais, ils sont gros, les homards. Ah, c'est des beaux petits homards. J'ai pesé les boîtes. Non, c'était pas lourd. Gros, ça. Ben oui. Ouais, c'est ça. Oui, et dans mon studio, vu que j'ai un studio chez moi, ben, je suis pas tout seul. Je suis avec ma famille. Oui, c'est ça. Puis toute ma famille fait de la musique. C'est toutes, en fait, je devrais dire, des musiciennes, parce qu'en fait, il y a pas un seul gars. T'es entouré de femmes. Ouais. T'as sorti en 2020 un album. Ouais. C'était un drôle de moment pour sortir un album. Je l'ai sorti la première semaine de confinement. Donc, le lancement n'a pas eu lieu, etc. Mais on rattrape petit à petit. Là, il y a pas mal de shows qui s'en viennent. Right. Ouais. Hey, les amis, voulez-vous d'autres vins? Comment on a faim? Voulez-vous d'autres vins? Parce que oui. Moi, je suis en train de me préparer. Je vais m'en venir, ça ne sera pas tellement long. Oh my god, as-tu vu le homard? Le même Malika, amène-moi l'autre. J'ai là, peur! Là, je m'en viens avec ma fille! Oh my God! Là, je vais vous montrer les monstres préhistoriques qu'on a dans le fleuve Saint-Laurent au Québec. J'ai jamais vu ça. Non. C'est-tu beau, ça? C'est vive le beau Québec! Vive le Saint-Laurent! Vive ben oui, non, c'est une joke, c'est sûr que tu me niaises. Non, non, regarde, c'est vive. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Ça, c'est du vrai homard. Capitaine, as-tu la pince? Ouais, moi, je vais en chercher encore du vin. Je reviens. C'est incroyable. Moi, je regarde ça de même, là, mais si je regarde la dimension de ce qu'on a, tu vas comprendre. Tu compares la pince, tu vas comprendre. Fait que... Je pense que. Ah non, mais. Fait qu'on va l'ouvrir à la façon que nous on fait. Non. Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça fait pas. Je te montre comment on l'ouvre. Ben. Fabrice! Tu arrives avec des outils. Va falloir qu'on fasse ça comme on fait d'habitude. Juste pas du test. C'est
allé prendre ça? Ça, on est allé à Rimouski chez Le Mien. C'est une petite place pas loin d'ici. Regardez ça, là. Regardez toute la belle chair. Puis ça a été cuit dans l'eau de mer. Mais c'est ça qu'il faut, hein? Hein? Regarde ça, là. Ça, c'est une pince, là. Regarde-moi la grosseur de ça, là. C'est magique. C'est pas fou. Possible. Faut manger du fleuve. Moi, je... Mangeons. Ah, ben... Mangeons. J'en... Hey, regarde-moi ça. C'est pas merveilleux, ça? Mais oui. Ah! Oh. Mais voyons donc. Ah! Oh. On est privilégié. Sérieusement. C'est délicieux. Hey, bon appétit. Merci. Thomas, je suis enchanté de te connaître. Thomas, c'est vraiment un plaisir, vraiment. Là, c'est festif, on bouffe, on fête, on chante. Tu vas me faire. Écoute, tu vas. Je vais te faire chanter. Oui! En espagnol! Ah! Ah oui! Ça, j'adore, OK? Cool. Santé et salut! Hein? Salut! Vive les honneurs, vive le fleuve, vive la musique, vive l'art! Je suis d'accord. Hein? Allez! Oui! Êtes-vous prêt à répondre? Allez, oui, allez, oui. Allez! On est toutes là! Fabrice, t'es là! Allez! Esta noche me voy de farra, estoy abierto hasta mañana. Esta noche me voy de farra, estoy abierto hasta mañana. Y que pase lo que pase, y que pase lo que pase, y que diga lo que diga, y que diga lo que diga, y que tome lo que tome, y que tome lo que tome, y que baile lo que baile, y que baile. De lo que baile. Mientras yo me divierto, ¿qué importa lo que hace el gobierno? Esta noche me voy de farra, estoy abierto hasta mañana. Esta noche me voy de farra, estoy abierto hasta mañana. Y que pase lo que pase, y que pase lo que pase, y que diga lo que diga, y que diga lo que diga, y que tome lo que tome, y que tome lo que tome, y que pague lo que pague, y que pague lo que pague. Mientras yo me divierto, no importa lo que hace el gobierno. Je me suis levée avant toi. Ouais. Je suis partie, j'étais allée à Saint-Simon. OK. Au Petit Caprice. J'allais rencontrer Paul. Non. Paul fait les meilleurs gâteaux de la galaxie. Non. Et c'est notre anniversaire ce soir. Directement par Joseph. Ce gâteau-là, capitaine, ce gâteau-là s'appelle Non, mais ça se peut-tu? Parce que c'est un gâteau de la COVID-19. Ah, OK, c'est pas, je dis de même, là. Hey, moi, non, mais attends pas. Non, mais attends pas, on va l'esquiver pour vrai, là. C'est vraiment de même. Non, mais là, ils l'ont. Il y a trois couleurs, ce gâteau. Le rouge, c'est les framboises. Oui. Le vert, c'est les pistaches. Oui. Le jaune, c'est les fruits de la passion. Écoute, on a eu la king de la tourtière. Oui. Et là, on a le gâteau de la galaxie. Écoute, moi, ce qui est important, c'est que c'est festif. On est ensemble. Oui, on a de l'amour. On partage de l'amour entre nous. On a de la musique. Vraiment, c'est génial. On partage ça ensemble. Mais, quelle belle vie. On est privilégiés. Mais la question, par contre, qui préside. Ouais. On le mange. Oui, on va le manger, c'est sûr. Ouais, ouais, moi. Ah, écoute, garde-toi, capitaine. Esta noche me voy.
voy de parra, estoy abierto hasta mañana. Esta noche me voy de parra, estoy abierto hasta mañana. Y que pase lo que pase, y que pase lo que pase, y que diga lo que diga, y que diga lo que diga, y que venga lo que venga, y que venga lo que venga, y que vaya lo que vaya, y que vaya lo que vaya, y que suba lo que suba, y que suba lo que suba, y que caiga lo que caiga, y que caiga lo que caiga, y que venga lo que venga, y que venga lo que venga, y que vaya lo que vaya, y que vaya lo que vaya. Mientras yo me divierto, no importa lo que hace el gobierno. Pa 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 p